Ah putain, truite de con. Ah, il s'appelle George Clooney, le druide, c'est stylé. Il faut plus en rire. Ah oui, vu. Oui, 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 oui. Putain, de cécité de con. Ah, mais il m'a subjugué, ce con. Putain. Je me disais aussi, j'avais beaucoup d'amis d'un coup, mais non. Ok, crève. What the... On a tenu la mine. Incroyable. Incroyable. On a bel et bien tenu la mine. C'est vrai que j'ai quand même eu cette jolie dague épique. Elle est pas mal. Oh, la ferme là, c'est pas là. Ils sont combien? Non, ça pue. Ah, j'avais pas eu derrière, merde. Merde, merde, j'arrive. GG. Ah, ok. Ok. Ah, c'est un putain de rogue. Eh, viens là, Rock de con. Il est où? On a pris la Syrie, normalement. Ah, il est là. Bah, il est de pop. Putain, ça fait mal cette merde. Oh, j'aurais dû sacrifier en fait. Ça fait mal ces saloperies de Rock, hein. En même temps, j'ai commencé le life, j'ai l'impression que j'étais à 40% de vie, quoi. Tu vas attaquer un fois, c'est le moment où ils sont en train de défendre la Syrie. Bah là, faudra qu'on aille à la fort. Enfin, après, non, si on tient la Syrie, on est bien. Hein. Si on a les 3, on gagnera. Le jeu, c'est d'avoir 3 points et de les tenir. Hein. Thank you.
qu'on arrête de prendre des points et qu'on fait juste des kills. C'est ça. Mais oui, globalement, il y a peu de chances qu'on gagne, c'est pour ça. C'est pareil compliqué. Oui, après ça se comprend, mais c'est pour ça qu'il faut abandonner. Ah, ça. Ils ont vraiment... Ah mais, d'où est-ce qu'il met les bombes vivantes, le magot? Putain, il est au-dessus. T'as trois bombes vivantes, rien que ça. On va se faire éclater tout seul. Ah, oh, ils sont nombreux, là. Putain, mon pet est déjà quasi en mort, sérieusement. Ah, putain, mais quel enfer. Ah, le décès des dots. C'est le décès des dots. Il gagne ou il perd contre lui là? Ah, le match va se faire éclater. Ah, on va parler d'écurie. Ou pas? Ouais. Pas de soucis. Ah, je suis... Bon, qu'on en finisse là, pour m'aider à Uldaman, moi. Ah ouais, je te vois, j'arrive, je suis avec toi. Un mage encore, un mage à la con. Toujours ces putains de mages. Ah, le magot, c'est... Putain, il m'a mis 1000 life en... Vas-y, crève, enfoiré.
Ah bah, pour te jouer sur ta zone morte, hein. Ouais, c'est clair. Tiens, il y a des Alsaciens ou pas dans le chat? Et si oui, vous sauriez qu'on se fait un bon restaurant à Ribeauvillé? Je suis en train de regarder depuis tout à l'heure, il y a des trucs sympas, mais rien que pour l'instant qui me vend du rêve. Parce que c'est une jolie ville, mais c'est vrai que les restos, je connais pas trop. C'est cool le magot là, il s'est pris un peu trop chaud. Il a plus cher. Voilà, il était un peu trop chaud ce garçon là. Il a vraiment cru qu'il allait tous nous solo, je sais pas. Un peu trop chaud. Ah, il fait mal, mais. Ok, bon, ça c'est fini. Eh, 17h57, hein. Très bien. Bon. Alors. Un DPS et un heal pour Uldaman. Je vais clean des 4 là-bas. Tier de Perenold, je peux toujours pas la prendre ça moi. Après j'aimerais bien la faire quand même à l'occasion, mais bon. Avec l'aspect des monos, ça va le faire. Comment allez-vous? On se voit plus tard. Ouais, mes autres, ça presse pas. On va prendre la tire. Que je... pour vous. Salut Danio. Ouais, mais là, le but, là, on est en train de réserver, justement. Là, le but du jeu, c'est d'aller à Ribeauvillé, justement. C'est tout le... C'est de montrer, en fait, on a les invités, c'est leur montrer la ville, quoi. Ah, attends, tu me disais... J'ai le cheval... Tu connais cheval noir, c'était une blague, parce que j'ai le cheval blanc. Parce qu'il y a un restaurant qui s'appelle cheval noir, et l'autre, le blanc, c'est l'enfer. Au secours. C'est quoi, donc, en premier, le mouton? Alors, attends... Ah, bah, restaurant du mouton, c'est ça? Menu 24, hôtel et restaurant du mouton. Ah mais c'est tout full, pourquoi il me le propose? Ah oui mais c'est tout, putain c'est full tous les soirs. Ok. Effectivement, mais là, là c'est full jusqu'en mars quoi, jusqu'au 14 mars, au secours. Salut Sephiros. Ouais, bon, on a bien leur faire tester justement une bonne tarte flambée aussi. Alors, attends, tu m'as dit, là... La flammerie. Attends, je vois pas ça. Bon, ça va être de la merde. Alors... Salut Sephiros. Le cheval noir. Attends, qu'est-ce que c'est le cheval noir? Le problème, c'est qu'ils sont peut-être tous full, en fait, les restos, quoi. C'est bien la problématique. Car les Beauvillé, ils ont l'air tous un peu full quoi. J'ai le cheval blanc, le mouton, mais encore une fois, le problème c'est que c'est fou. Il me le propose alors que c'est full. Attends, pour ce soir, attends. Ah, date, putain. Si 22 février, 20h30, 4 personnes, boum. Ouais, voilà, ça y en a aucun. Putain, c'est l'enfer. Nat. Natalia. Complètement sourde. Ouais, et on n'a pas encore le château, hein. Quand on aura le château, c'est foutu, hein. On sera en mode Tokyo Walkie, hein. Terrible. Tempête est arrivée chez nous, voilà. Oui. Monte, s'il te plaît. Sûrement y avoir de... Et on sort, hein, quand même, pas de soucis, mais... On va devoir aller ailleurs.
Il y a littéralement pas de restaurant disponible dans tout Ribeauvillé. Oh putain. Voilà. Je vais regarder, alors il y a peut-être des bouibouis, hein, j'ai pas envie d'y aller. Tous les beaux restos et tout, c'est compliqué. Genre, il y en a certains, je crois, en mars. Ah ouais. Genre, jusqu'à mi-mars. Ah bah, voilà. Bah sinon, on fait ce qu'on a dit de base. On va au... J'ai oublié le nom. Au caveau, quoi. Ah, ça me va. Que j'ai oublié. Putain, comment il s'appelle ce truc? Bon, attends. Restaurant Célestas sera plus simple. On va trouver ça comme ça. Tac. L'amuse-bouche. Voilà. Je sais pas si on peut. On doit réserver. Je vais l'appeler au cas où. Hop. Je crois qu'il ouais, y a des tapas, ça ira pour le gamin. Oui, il y a des trucs, il y a des tartes flambées. C'était surtout pour les tartes flambées. Ouais, ouais, je sais. Mais ouais, il y a un restaurant que d'ailleurs j'ai demandé dans le chat s'il y a des Alsaciens, il y en avait, il y en a toujours. Mmh. Ils m'ont conseillé le mouton, mais ouais, jusqu'au 14 mars c'est pris. Putain, c'est ouf. Même pour ton année. Ah non, si ton année c'est avec son avril. Hein. Je sais pas pourquoi, pour moi mars était après avril, bref. On inverse les dates. Télécoba. D'ailleurs, Victor, il se demandait si tu connaissais. Attends. Oui. Des jeux. Oui. Type Rocket League, justement, un peu dans ce genre-là. Alors, Rocket League est unique, c'est pour ça que Rocket bah ouais, League je est... sais. Mais un peu dans ce genre-là. Oui, il y en avait un auquel jouaient d'ailleurs les copains, il a fermé au Gas Striker, mais il faudrait demander bah, plutôt à Ada Alex. Hein. Ada, t'es là par hasard? Il faudrait demander à ouais, Pookie, la FK. Mais ouais, il faudrait demander à Lucas aussi, sinon. Pour un gamin, mais oui. Quoi, là, ça y est, il a eu sa dose en Rocket League? Non, mais c'est pour diversifier, quoi. Ah, ça. Après, faut le mettre sur League of Legends, hein, il sera tranquille. Avec ça. Tain, ça viendra un gamin toxique. Tain. Mais ouais, donc pour 20h30 environ, on y va? Moi, j'ai le temps de faire mon donjon, je prends ma douche, et puis. Est-ce qu'on sortirait pas le chien avant? On verra. J'aimerais bien faire mon truc quand même. On a marre de. Le Pookie aussi là, marre, on peut jamais jouer là. Comment ça, vous pouvez jamais jouer? Jamais jouer. Le mec, c'est un no life, il joue jusqu'à 6h du mat, il peut jamais jouer. Bah, c'est justement, je suis sûr qu'il joue jusqu'à 6h du mat parce qu'il a toujours des trucs à faire. Non mais il a pas de boulot, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a une meuf. Non mais sa meuf, elle est autonome, elle sort son chien toute seule en plus. Ah, moi, mais elle l'invite à des trucs. Hein. Ouais, mais Pookie, j'ai rien. Parce que j'aurai bien la Ulda, putain j'en ai marre d'avoir tous les quatre d'Ulda. Casse les couilles. J'ai fait la rospé. Bon, Pookie devait revenir à 18h, 18h03, il est pas là. Non, ça va, 18h03. Ah bah oui, mais bon, on a 18h, hein, qu'est-ce que je te dis Mais donc ouais, ça me semble compromis. Après, on ira. Tu vois, par exemple, j'aimerais bien maintenant qu'ils m'ont donné envie. Attends, je vais te remontrer le resto. C'est lui. Hein. Voilà, tu vois, t'as le restaurant du mouton. À Ribeauvillé. C'est vrai que ça a l'air. Et tu sais, la ville où il y a ce burger où on n'est jamais allé parce que. Oui. C'était joli. J'ai pas le nom. Restaurant vegan. Non, c'était pas vegan en plus. C'était pas vegan, c'était genre. Ah oh, putain, il s'appelle comment? Parce que c'est Lucas hein, qui court après, moi je suis pas... Parce qu'au final la ville a été trop mignonne là, qui était en cercle. Un truc en Heim. Bah comme d'hab. Et qui s'était en cercle comme ça là. Et Bergheim, non, c'est pas un truc comme ça. Les Alsaciens là, une ville où, qui est un peu genre médiévale et en cercle comme ça. C'était à côté de Colmar, non je crois. C'est pas genre à côté de Colmar. Je sais plus du tout où c'est. Non mais tout est en Heim. Eggisheim peut-être, ouais. Ah c'est ça, ouais. Tape Eggisheim. Ouais, c'est ouais, celle-là. Ouais, c'est ça. Trop fort, merci. En quoi elle est en cercle? C'est quoi ton histoire de cercle? Attends. Parce que, en gros, tu regardes la map du centre-ville, en fait, c'est un cercle. Enfin, c'est un demi-cercle. C'est pas là-bas, non? Ah si, ouais. Ah oui, effectivement, d'accord. Ouais, c'est un peu comme Célestin, quoi, là-dessus. Enfin, comme le vieux centre-ville. Ok. Tu veux qu'on regarde les restaurants à Eggisheim? Allez. Ça peut être sympa, Eggisheim. Oh, on s'était promené vite fait, là. Ça a l'air très joli. Hein. 22,
20h30, 4 personnes. Il y a des choses. Ah non, Colmar. Il n'y a littéralement pas un seul resto là-dessus. Ah, Bordeaux, c'est ouvert. C'est un peu too much pour Victor. Non, mais voilà, la muse-bouche, il aura les tapas, il aura les bonnes tartes flambées, ça sera très bien pour lui. Regarde le resto, le vieux Porsche. C'est un viticulteur. Alors, c'est très bien noté, mais je pense que c'est aussi Je pense que c'est un truc qu'on se fera tous les deux. Ouais, c'est plutôt un truc... Parce que là, il y a un gamin, là, on a quand un même. Gamin de 13 ans, il... Tu sais, lui, ce qu'il mange, c'est des frites et des burgers. Hein. Mais oui. Ça sent le resto à faire tous les deux. C'est ouais. pour... Ça tombe bien, à partir de samedi, on est que tous les deux. Oui, on va pouvoir... Foutez-nous la paix, laissez-moi jouer. Laissez-moi geeker, je voudrais geeker. Bon bah ok. Ok. Bon bah... T'as essayé d'appeler, c'est ça la mise bouche, mais ils doivent être... Ouais, ils m'ont pas répondu. Je pense qu'ils ouvrent à 19h. On se pointera en pleine semaine, on devrait être tranquille. Hein. On est quoi, on est jeudi? Juste vérifie qu'il est ouvert. J'ai regardé, d'accord. C'est ouvert. J'ai déjà regardé, c'est bien ouvert. Voilà. Ça sera tout à l'heure. Bon, alors... Ça, ça amène, ça va, on ne sait pas, il ce monsieur. Ouais, je vais aller faire cette quête-là, j'en ai marre de l'avoir, on va faire une quête en moins. Let's go! On va aller faire la tire de Perenhold. Tu l'as faite, toi, la tire de Perenhold, la quête à Stormwind? À Altarak. Enfin, deux Stormwind à Altarak. Allez, bon. Ah là que oui. Allez, tout.